Vous êtes habitant de Boussy-Saint-Antoine? Oui. Qu'avez-vous vu? Que s'est-il passé ce soir à Boussy? Bon, moi, j'ai vu trois femmes en train de courir après avoir déposé mon ami. Oui. Ensuite, lui, après qu'il ait entendu les bruits... En fait, il y a une course-poursuite et elles sont dispersées, les trois. Elles étaient à pied, c'est ça? Ouais, elles étaient à pied avec des couteaux aux mains. Elles couraient. Elles étaient vêtues comment? On a dit voilées ou pas? Est-ce que vous avez vu? Je sais pas. Moi, j'ai vu des femmes courir en jogging. D'accord. Et... Non, elles étaient voilées. Il y en avait deux, elles étaient voilées, une en jogging. Et elles sont dispersées. Il y en a une qui est partie vers le COSEC. Il y en a une qui est partie vers la gare, et il y en a une qui est restée au milieu et qui s'est fait interpeller. Qui s'est fait interpeller en face de moi. Après, il y a eu des coups de feu. De qui? Des femmes? Des policiers? Non, des policiers. Des policiers, parce que après on a retrouvé les femmes qui étaient au sol. Nous deux, on a vu les femmes qui étaient au sol. La femme qui était au sol. Il y avait des blessés parmi les femmes? Bah, celle qui était au sol. Celle qui était au sol, après il y a celle qui s'est fait interpeller. Elle a directement été mise dans la voiture et un peu plus tard, la troisième, elle a été interpellée. De la gare, celle qui est partie vers la gare, elle a été interpellée. D'accord. Et vous savez ici, c'est une zone habituellement où il y a des très calme ici. La radicalisation, non, c'est plutôt calme. C'est très calme ici. Non, c'est pisse. Solidarité. Pas de problème ici. Hein. Jamais rien. Ce genre d'opérations ne sont pas habituelles, vous ne voyez pas ça très souvent non. Ici. Non. Bah là, la rue, elle est bouchée par la police carrément. On n'était pas prêts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déminent là, ils ont envoyé les murs. Ça s'est passé à quelle heure? Vous vous souvenez à peu près? À quelle heure? 18h. 18h, il faisait encore jour. 19h. Il faisait encore jour. Et vous me disiez tout à l'heure en off, il y avait beaucoup de policiers en civil. Ouais. Beaucoup. Oh ouais, une arrivée de Bakke de Paris qui. Immédiate ou longtemps après? Ouais, ils ont pris du temps quand même. Ils ont pris du temps en vrai. Si, ils ont pris du temps en vrai. Ouais. C'est une opération qui était préparée par les services de police? Pour moi, non. Pour moi, non. Non. Enfin, parce que c'était préparé parce que. Non, en fait, déjà, on les avait vus un peu dans la journée. Qu'ils étaient là, qui rôdaient, etc. Et franchement, toutes les voitures de civils qui ont été déployées, on les a vu rôder tout ça, mais on savait pas pourquoi. Et après, bah, on a compris directement, ils ont interpellé les trois femmes, et voilà. Ils ont réussi, je pense. Vous les connaissiez, vous, ces trois femmes? Non, pas du tout. On les avait jamais vus. Je crois pas. De la cité, de cette zone? Non, ça me dit rien. Moi, personnellement, ça me dit rien, mais je crois pas. Non, moi, je les ai jamais vus. Et l'autre, je passe devant, excusez, pardon, oui, excuse. Merci. Ouais, tout à fait, je t'ai promis sur place. Donc ça, c'est bien cool. Ouais. J'ai fait une petite interview dans la foulée, j'ai fait 22h en direct. Ouais.
direct là. Attentat en direct. Ça a tiré là, des gros attentats, Michael. Des gros attentats. T'en as une, ça a fumé du balcon là, y compris les keufs qui rentrent dans le quartier. C'est presque le balcon. Ouais, regarde. Ils ont fumé le bigot. Ah ouais, ils ont fumé un type, ils ont pété le complice. Ah ouais, ils sont beaucoup là. Ils ont pété le complice là. Oh ouais. Là. Sérieux, mec. Là, c'est terrorisme. Il est en plus, ça. Ah ouais, non, passe par là, je suis bien. Ah ouais, là, c'est du sérieux, là. Là, c'est hardcore, là. La ville, elle est hardcore. Ça sera là. Non, mais je ne vais pas parler.